Bonjour à toutes et à tous. Le Manoir des Muses à Condat-sur-Vézère organise une exposition sur le confinement et ses créations. C'est sur ce thème-là qu'une douzaine d'exposants se retrouvent ici derrière moi dans ce manoir qui existe donc à Condat-sur-Vézère. C'est ouvert aujourd'hui samedi jusqu'à 18h30 et demain de 11h, demain dimanche 23 août, de 11h à 18h. Sont enchantés, enchantés par la variété des choses qui sont présentées et puis voilà la qualité, il y a beaucoup de qualité. Alors je suis super contente parce qu'il y a une amie qui n'avait jamais peint de sa vie, ouais, j'ai un peu d'émotion à le dire, elle a vendu, le premier tableau qui a été vendu c'est Colette qui l'a vendu. Donc ça montre bien qu'on n'a pas besoin d'être un artiste renommé pour pouvoir créer et faire plaisir. Le monsieur il a eu un coup de cœur, il a dit je le veux, je le ramène chez moi, voilà. Donc oui, ça se passe très très bien, il y a des gens qui sont encore là en train de discuter, ça a créé voilà, des gens qui se retrouvent. Et le Manoir des Muses, ça a toujours été ça, un lieu de rencontre mais de retrouvailles. Les gens qui aiment se retrouver, ils sont en train de discuter. Et ça, voilà. On peut venir demain, donc dimanche 23 août, c'est ouvert de 11h à 18h. Tout à fait, on sera là. Il y aura peut-être un peu moins d'artistes demain, parce qu'il y a des gens qui avaient déjà organisé des choses, mais enfin, non, on sera plusieurs à être là, et la porte sera ouverte à tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Entrée libre, c'est un lieu magique pour recevoir ce genre d'exposition, un lieu plein d'histoire. Tout à fait. Donc la maison, elle a été construite en 1550, quand le village de Condat, il est très connu parce que c'est un village où il y a eu donc les hospitaliers, hein, qui a la commanderie des hospitaliers. Et donc ici, c'est une maison qui a été construite pour servir d'hostellerie, comme on disait à l'époque. Donc les calèches passaient par là, il y a une entrée et donc venaient dans la cour et ça servait d'hôtel. Et en fait, elle est répertoriée cette maison comme maison forte. Donc, elle a des caractères de maison forte avec des barreaux et autre chose. Et c'est vrai que c'est une maison qui se prête à ce genre de manifestation. Bon, j'ai créé cette pièce il y a quelques années. Donc, avec il y a des murs en pierre, il y a une très belle cheminée, des poutres. Et pour certaines œuvres, c'est parfait. Voilà. Et puis, il y a le jardin dehors. Les gens aiment bien se retrouver aussi dans le jardin. Voilà. Quelle est la finalité de cette exposition? Alors, revenir sur le confinement, c'est permettre à des artistes que vous connaissez locaux de pouvoir présenter ce qu'ils ont fait pendant le confinement. C'est ça, tout à fait. Donc des gens, des amis, des gens que je ne connaissais pas aussi, donc comme j'expliquais déjà, quand j'ai proposé cette exposition, m'ont dit qu'ils aimeraient venir. Donc c'était ça, montrer ce que les gens avaient fait pendant le confinement, une période tout à fait particulière où on était un petit peu tous enfermés à la maison. Et moi la première d'ailleurs, hein, je me suis remise à peindre. Et donc montrer que, voilà, moi, mon idée c'est ça, de montrer ce que les gens ont fait, c'est ce partage avec les gens qui sont férus d'art et autres, hein. Et puis montrer qu'on est tous capables de créer, puisque il y a des gens qui n'ont jamais peint. Moi, ma petite fille avait fait un beau cahier, elle a juste 4 ans et demi, donc il y a un petit cahier de ses peintures. Donc c'est ça, c'est montrer que tout le monde peut par la création, hein, ça peut pas, c'est pas nécessairement la peinture, avoir une porte d'ouverture vers l'extérieur et pouvoir s'exprimer et se faire plaisir. D'autant plus important parmi les temps difficiles actuellement. Tout à fait, très important à mon avis. Enfin, moi, ça m'a fait un bien énorme, ça m'a permis de vivre cette période difficile de façon beaucoup plus sereine. Et j'en ai parlé avec les autres personnes de l'exposition et c'était la même chose, quoi. C'était une bouffée d'air de pouvoir s'exprimer parce que... Voilà, c'est quand même des moments difficiles, hein.
Voilà. On ne va pas parler de tous ceux qui exposent, mais ils sont nombreux, qui sont déjà venus au Manoir des Muses, ici à Condat-sur-Vézère. Et aujourd'hui, ils se retrouvent tous d'un seul coup. C'est ça. C'est pour ça que on entend derrière les gens qui sont en train de discuter, parce que ce sont des gens qui se connaissent et des gens qui ont déjà exposé ici et qui adorent ce lieu et qui sont très heureux, même s'ils n'ont pas pu présenter beaucoup de leurs travaux, mais c'est pas grave, deux ou trois choses, quatre choses, et ça, voilà, ça leur permet de se retrouver. Et puis moi je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager ce lieu. Je ne fais que le répéter, mais c'est vraiment le but pour moi de cette association aussi, de partager ma maison et de permettre à des gens locaux qui peuvent peut-être pas avoir un lieu d'exposition idéal, de pouvoir ici venir présenter leurs travaux. Alors je crois qu'il y a encore une autre date de prévue prochainement. Il y a une autre animation. Oui, il y aura une conférence donc de Monsieur Alain Ballas qui va présenter son livre donc le 3 septembre. Voilà. Donc, à quelle heure? À 20h. Voilà, c'est sûr. Bah, il faudrait mieux qu'il vous l'explique lui-même, mais enfin c'est sûr un travail qu'il a fait. Bon, ça fait longtemps qu'il travaille sur la géométrie sacrée, Alain Ballas, et donc il a écrit ce livre sur l'église à Nice, je ne m'en souviens plus le nom, et puis une autre église dans le Pays Basque. Et il a créé une petite histoire, mais bon, à travers l'histoire, il y a tout un tas de choses par rapport à la géométrie sacrée. Bon, le 3 septembre, rendez-vous est pris. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et donc, Manoir des Muses, ici, Condat sur Vézère, c'est demain, dimanche, toute la journée, de 11h à 18h. Tout à fait. Et écoutez, ce sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai. Merci beaucoup. Thank you.